Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un nouveau domaine de l'intelligence artificielle qui commence à émerger, l'apprentissage auto-supervisé. Alors non, je ne me suis pas trompé, c'est bien apprentissage auto-supervisé. Pas supervisé ou non supervisé, mais bien avec un auto avant supervisé. Bon, et du coup, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que l'apprentissage auto-supervisé ? Alors, avant d'expliquer ce que c'est, on va un petit peu revenir sur les problèmes qu'on a en intelligence artificielle. On a en IA des problèmes comme par exemple le manque de données. Alors, pas dans tous les domaines, mais dans beaucoup de cas, ça l'est. Parce que les algorithmes et surtout les réseaux de neurones ont besoin de beaucoup de données pour être entraînés. Par exemple, si vous voulez que votre réseau de neurones arrive à reconnaître des images avec Keanu Reeves dedans, il va falloir l'entraîner avec des milliers, voire même des dizaines de milliers d'images avec Keanu Reeves. Sauf que trouver des milliers d'images avec Keanu Reeves, ça risque d'être un peu compliqué. Ou du moins, ça risque d'être long. Mais aussi, il faut faire attention aux images qu'on met. Si on met une image qui n'a aucun rapport, ça risque de poser des problèmes. Et le réseau de neurones risque de louper son entraînement. Par conséquent, vous voyez du coup avec cet exemple que c'est assez compliqué. Et encore là, on parle d'un acteur connu. Si on parle par exemple de milliers d'images médicales, et bah là, ça risque d'être encore plus compliqué à trouver. Et puis en plus, pour les réseaux de neurones, il faut souvent étiqueter les images. C'est-à-dire dire ce qu'il y a dans les images. Et là aussi, ça prend beaucoup de temps à faire. Donc ouais, du coup, on voit qu'on atteint certaines limites. Et c'est là que l'apprentissage auto-supervisé ou Self-Supervised Learning, SSL, pourrait être intéressant. Alors déjà, l'apprentissage auto-supervisé est une forme d'apprentissage non supervisé. On n'a donc pas besoin d'étiqueter nos données. Déjà, ça, c'est plutôt cool. Et le principe, c'est de prendre un certain nombre de données et d'en enlever une partie. L'algorithme va du coup devoir analyser les données qui sont entre guillemets visibles et il va en déduire la partie occultée. L'algorithme va devoir du coup analyser les données entre guillemets visibles et il va devoir en déduire la partie occultée. De ce fait, il va faire en quelque sorte lui-même ses étiquettes qui vont lui servir pour son apprentissage. On va prendre un exemple avec des phrases. D'ailleurs, le SSL est pas mal utilisé dans le NLP. On prend des phrases, voilà, on enlève certains mots de ces phrases. Et du coup, bah, ceci, cette version en quelque sorte finale de notre dataset, on va le présenter à notre algorithme. Et il va devoir retrouver par lui-même les mots manquants. Le SSL se rapproche un peu du mode humain. En effet, des fois, on apprend grâce à l'observation. Et on essaie de voir un petit peu ce qui est corrélé. Mais on a un autre problème. Une machine n'a pas le sens des causalités. Exemple, sauter du haut de quelque chose, on tombe. Ça, tous les humains et même plein d'animaux sont capables de comprendre ça très rapidement. Et bien pour une machine, ce n'est pas le cas. Il y a donc encore du chemin à faire. De plus, les machines n'arrive pas à conceptualiser les choses. Exemple, si je montre à une machine plein de milliers de photos de sapins dans une forêt, par la suite, ensuite, il va reconnaître si dans une image, il y a des sapins ou pas dans une forêt. Mais si je lui montre une photo de famille autour d'un sapin de Noël, et bah, il risque d'avoir du mal. Parce que ouais, il y a peut-être le sapin, mais il y a des trucs, en fait, qu'il connaît pas. Et le concept du sapin, eh ben, il n'arrive pas à le retrouver. Il ne l'a pas compris. Et pourtant, ça reste toujours un sapin. Ok, il y a peut-être des guirlandes et des boules de Noël, mais on a quand même un sapin. Tandis que les humains, bah, eux, ils arrivent à comprendre assez rapidement les concepts. Notamment quand c'est des concepts comme, par exemple, bah, les sapins. Et ça, c'est souvent fait par l'observation. Et quels seraient les principes de base de ça, du coup? Eh bien, d'après Yann Leca, un chercheur en intelligence artificielle, ce serait basé sur le principe de déduction. C'est-à-dire le remplissage de trous. Et du coup, vous voyez que le SSL essaye de faire ça. Si on prend mon exemple avec les phrases où il manque des mots, on retrouve ce principe de remplir des trous. Il reste du coup à voir comment cette méthode va se déployer dans le futur. Elle est déjà pas mal utilisée par Yann LeCun et dans le domaine du NLP. Mais ça pourrait être aussi utile pour des domaines où c'est difficile d'avoir une énorme quantité de données. Affaire à suivre du coup.